Nous n'arriverons jamais à le faire correctement. Peu importe à quel point nous essayons, ça ne marche jamais. Écoute, nous avons tous ces jours où les choses vont mal. La chose la plus importante est de toujours faire de son mieux et de ne pas abandonner. Tu verras, cela va prendre un certain temps, mais souviens-toi juste de l'histoire de l'araignée. L'histoire, on grimpe dans le lit. Rêve
serpent dans la baignoire. Membre du club de l'heure du bain. Scrub, dub, dub, dans la baignoire. Comment nous aimons le club de l'heure du bain. Rub, dub, dub, deux enfants dans la baignoire. Membre du club de l'heure du bain. Scrub, dub, dub, dans la baignoire. Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, ma pomme a disparu. C'est pas moi. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Buggy. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait pour s'amuser dire des mensonges. Le garçon cria: loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. En haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, mais pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pas de velours pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le garçon cria: loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. Loup, 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 c'est pas un jeu, venez maintenant. Mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, c'est toujours, toujours dire la vérité. Envie de danser. J'aimerais bien, mais parfois mon corps ne fait pas vraiment ce que je veux qu'il fasse. Peut-être que tu dois juste apprendre à le connaître un peu mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Une dent, deux dents. Un pied, deux pieds. Une bouche, un nez. 10 doigts, 10 orteils. 2 yeux, 2 oreilles. Les yeux peuvent voir, les oreilles entendre. Une tête, 2 lèvres, 2 mains et 2 hanches. Mains pour applaudir, doigts pour claquer, pieds pour taper. Danse, danse, danse. 2 coudes. Les fléchissez-les comme vous voulez. 2 bras, touchez le ciel. Mains sur les hanches, balancez, balancez. Secouez la tête, remuez le nez. Haussez les épaules, chatouillez les orteils. Souris, souris, tournez autour de vous. Secouez votre corps et bougez-vous. Mains pour applaudir, doigts pour claquer, pieds pour taper. Danse, danse, danse.
ton imagination dans la fantaisie de l'alphabet. Préparez-vous, soyez prêts, une aventure inoubliable. Nous pouvons voler au-dessus de l'arc-en-ciel, la fantaisie de l'alphabet. I, je suis un cône de ice cream. J, je suis une jolie gelée. K, un kaléidoscope. Fantaisie de l'alphabet. Tu peux laisser aller ton imagination dans la fantaisie de l'alphabet. Préparez-vous, soyez prêts, une aventure inoubliable. Nous pouvons voler au-dessus de l'arc-en-ciel, la fantaisie de l'alphabet. Q, je suis la queen d'Espagne. R, je suis une rosée de pluie. S, je suis une scientifique. T, je suis une tornade jumelle. U, je suis une unicorne. V, je suis un vase volcan. W, je suis un waterfall. X, je suis un xylophone. Y, je suis un yekitiya. Z, on est zigzag. Fantaisie de l'alphabet, dans la fantaisie de l'alphabet. Tu peux laisser aller ton imagination dans la fantaisie de l'alphabet. Préparez-vous, soyez prêts, une aventure inoubliable. Nous pouvons voler au-dessus de l'arc-en-ciel, la fantaisie de l'alphabet. Tu peux laisser aller ton imagination, la fantaisie de l'alphabet. Orange, jaune, vert et bleu, indigo et violet. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière vous donne les couleurs de l'arc-en-ciel. Regarde, le monde est un arc-en-ciel. Rouge, comme une pomme ou une tomate. Orange, comme une grosse citrouille. Ces couleurs sont vraiment quelque chose. Rouge, orange, jaune, vert et bleu, indigo et violet. Rouge, orange, jaune, vert et bleu, indigo et violet. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière vous donne les couleurs de l'arc-en-ciel. Regarde, le monde est un arc-en-ciel. Vert, comme les herbes et les arbres. Bleu, comme le ciel ou l'océan. Indigo, comme les myrtilles et tes jeans. Violet, coucher de soleil, émotion planétaire. Rouge, orange, jaune, vert et bleu, indigo et violet. Les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière vous donne les couleurs de l'arc-en-ciel. Regarde, le monde est un arc-en-ciel. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière vous donne les couleurs de l'arc-en-ciel. Regarde, le monde est un arc-en-ciel. Bonjour,
visage. Où est-il? Regarde sous le lit. Il est là. Ton tour, Ray. Tu es prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ray se cache. Où est-il? Regardons dans le placard. Il est là. Allons dehors. J'aimerais qu'il y ait quelque chose d'amusant à faire. J'ai une idée. Qui veut faire un tour dans ma voiture? Je veux. Allons faire un tour dans ma voiture, tout autour de la ville. D'abord nous mettons nos ceintures et nous cliquons cette boue. On tourne la clé, on démarre, maintenant nous sommes prêts. On passe devant toutes les maisons, on salue les voisins. Bip, bip, on klaxonne, les voisins disent bonjour. Qui est monté dans ma voiture? Je veux. Allons faire un tour dans ma voiture, tout autour de la ville. Je vais tourner à droite, mais d'abord je vais faire signe. Entendez ce clic-clic-clic-clic-clic à droite sur GPS. Après les magasins, les restaurants, au feu rouge. Attendez que le feu soit vert, maintenant on peut y aller. Qui s'amuse dans ma voiture? Je veux. Allons faire un tour dans ma voiture, tout autour de la ville. S'amuse dans ma voiture. Je m'amuse. Allons faire un tour dans ma voiture, tout autour de la ville. Je connais un endroit où aller. Dis-nous, papa. Je ne vous le dirai pas et vous le saurez. Encore de pâté de maison. Dis-nous, papa. Tournez, on est arrivé. Le marchand de glace. Qui est monté dans ma voiture? Nous aimons. Allons faire un tour dans ma voiture tous les jours. Je suis là, je vous vois. Chère maman, où es-tu? Je suis là, près de ta chaussure. Thank you.
un indice. Je vous ai eu. Huggy Buggy, nous vous aimons. Papa, maman, frères et sœurs aussi. Allez, go, saut des dinosaures. Wouh, d'accord. Allons rencontrer un dinosaure. Un dinosaure, un dinosaure. Allons rencontrer un dinosaure au saut de Jurassic. Le dinosaure aime jouer, rugir. Jouer, rugir, jouer, rugir. Le dinosaure aime jouer, rugir tout autour du bambou vert. Yeah! Regarde, il y a un stégonosaure. Un stégonosaure, un stégonosaure. Regarde, il y a un stégonosaure avec son dos fait de plaques osseuses. Oh super! Il a un petit cerveau dans sa tête. Dans sa tête, dans sa tête. Il a un petit cerveau dans sa tête, mais il a une grosse taille. Regarde là-haut, c'est un diplodocus. Diplodocus, diplodocus. Regarde là-haut, c'est un diplodocus. Plus grand que les arbres. Yeah. Regarde son long cou et sa queue. Son long cou et sa queue. Regarde son long cou et sa queue. Attention à son éternuement. Achou. Cool. Oh. Regarde voler le ptérodactyle. Le ptérodactyle, le ptérodactyle. Regarde voler le ptérodactyle. Il bat des ailes pour voler. Il a un bec pointu plein de dents. Plein de dents, plein de dents. Il a un bec pointu plein de dents pour attraper les poissons qu'il épie. C'est le moment de faire quelques corvées. Terminez-les et le reste de la journée sera libre. S'il te plaît, fais ton lit. Ok, dans une minute. Et nettoie ta chambre. Oui, juste une seconde. S'il te plaît, suis la vaisselle. Dans une minute. Tes devoirs aussi. Juste une seconde. La vaisselle. Attends une minute. Tes devoirs aussi. Attends une seconde. Regarde, tes amis sont venus jouer. Mais vous ne pouvez pas sortir tout de suite. Parce que tu n'as pas rangé ta chambre quand je t'ai dit. Et tu n'as pas fait ton lit. Oh non! Tu n'as pas fait tes devoirs. On s'en occupe.
ni nettoyer la vaisselle. On y va. Et vous êtes endormi, couché devant votre télévision. Levez-vous et remuez-vous, on va trouver le groove en vous. L'exercice n'est pas un travail, on va tous danser, mettre le feu. Prends ma main et viens avec moi, je vais t'aider à le faut faire. Faut faire de l'exercice, fais couler ton sang. De l'exercice, tu vas te sentir bien. Tu auras l'extra sourire dès que tu t'y mets. Tu vas répandre la joie dans tout quartier, oh oui. Allez, on y va, travailler les muscles. Smash la balle de toutes tes forces. Sors dehors et prends le soleil. Et trouve un ami pour t'amuser. Jumping jack, cours et joue. Regarde ton sourire sur ton visage. Regarde tes yeux encore briller quand tu fais de l'exercice. Faut faire de l'exercice. Fais couler ton sang. De l'exercice. Tu vas te sentir bien. Tu auras un extra sourire dès que tu t'y mets. Tu vas répandre la joie dans tout le quartier. Oh oui. Sauter à la corde, faire du vélo, attrape se laisser passer, faire une randonnée, promener le chien, faire une baignade. Quoi que tu fasses, tu gagnes. Fort. De l'exercice, tu seras une machine mère. Tu auras un extra sourire. Vous jouerez plus longtemps. Se sentir énergique avec ta nouvelle routine. Exercice, faire couler votre sang. Exercice, tu vas te sentir bien. Tu auras un extra sourire dès que tu t'y mets. Tu vas répandre la joie dans tout le quartier, oh oui. Exercice. 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 Tu vas répandre la joie dans tout le quartier, oh oui. Exercice, exercice, exercice. Pourquoi on est pauvre? Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions, nous avions. Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit c'est une magnifique vache. Il a dit. J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison. Quand maman a vu les haricots, elle a grogné. Par la fenêtre, ils ont volé, volé. Par la fenêtre, ils ont volé.
posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, a grimpé. Jacques ensuite a grimpé. À travers les nuages et à travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte sombre. Un panneau disait interdit aux enfants. Jacques est passé à travers, à travers. Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte sombre menait au bout du couloir. Le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fifi-fo-fum. Je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé. Et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti d'où il est venu, venu. Il est reparti d'où il est venu. Jacques, le géant, a couru. Il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hourra, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, une pierre. Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite. Et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé. Il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé, a volé. En bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il touche à le sol. Hache, 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 cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Il vécut heureux jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Que diriez-vous d'un jeu d'espionnage? Qu'est-ce que c'est? Je vois quelque chose autour de nous et tu dois deviner ce que c'est. Je te donne un indice. Tu commences, Noah? Ok, j'espionne avec mes petits yeux quelque chose qui est de couleur vert. Ça pourrait être de l'herbe. Non. Ça pourrait être ce buisson. Non. Ça pourrait être cet arbre. Oui, tu as raison. Chose de couleur bleue. Ça pourrait être le ciel. Non. Ça pourrait être de l'eau. Non. Ça pourrait être le gel. Oui, tu as raison. Yeah. J'espionne. J'espionne. Qu'est-ce que j'espionne avec mes petits yeux? Chose qui commence par S. Ça pourrait être la balançoire. Non. C'est peut-être la chaise à bascule. Non. Ça pourrait être le slide. Oui, tu as raison. Yeah. Votre tour. J'espionne avec mes petits yeux quelque chose qui est rond. Ça pourrait être un cerf. Non. Ça pourrait être le ballon. Oui, tu as raison. Ouais. Quel plaisir. J'espionne.
Connaissez-vous l'homme fine, l'homme fine, l'homme fine? Connaissez-vous l'homme fine qui vit à Drury Lane? Dites bonjour à l'homme fine, l'homme fine, l'homme fine. Dites bonjour à l'homme fine, il fait de bons muffins. Connaissez-vous le pizzaiolo, le pizzaiolo, le pizzaiolo? Connaissez-vous le pizzaiolo qui vit à Drury Lane? Dites bonjour au pizzaiolo, au pizzaiolo, au pizzaiolo. Dites bonjour au pizzaiolo, il nous donne des parts gratuites. Connaissez-vous le marchand de glace, le marchand de glace, le marchand de glace? Connaissez-vous le marchand de glace qui vit à Drury Lane? Bonjour au marchand de glace, au marchand de glace, au marchand de glace. Dites bonjour au marchand de glace, il a tellement de parfums. Connaissez-vous le boulanger, le boulanger, le boulanger? Connaissez-vous le boulanger qui vit à Drury Lane? Dites bonjour au boulanger, au boulanger, au boulanger. Dites bonjour au boulanger, ses gâteaux sont les meilleurs. Merci aux amis de Drury Lane, de Drury Lane, de Drury Lane. Merci aux amis de Drury Lane, on s'est tellement amusés. Quel parfum vous voulez? Quel parfum vous voulez? Savez-vous quel parfum vous voulez? C'est tellement difficile de choisir. Je pense que je vais prendre à la vanille. À la vanille. Deux boules? Oui, merci. Je pense que je vais prendre à la vanille. Cinq ou six bons ici tout. Est-ce que je peux te servir, jeune homme? Ah oui, tu peux! Des éclats de chocolat? Bien sûr! Des chewing-gums? D'accord! Et des noix? Oui! Et des pépites de chocolat? Oh, oh! Et sur le top de la sauce à la guimauve? Et voilà! Ne le laissez pas glisser! Un jour. Vraiment? Une boîte à œufs, une boîte de céréales, wow! Un magazine ou un comptoir. Et ne jette pas cette bouteille. Pourquoi pas? Ça pourrait être un t-shirt un jour. Pas question! Un sac à dos, une veste, un drapeau. Wow! Ou un sac de couchage. Recyclage. Mettez-le dans le recyclage. Tout papier, le métal, le plastique, le verre. Recyclage, oui. En recyclant, grâce à vous, une vieille
jette pas cette boîte de conserve. Oh non! Ça va devenir une balançoire un jour. Vraiment? Un vélo ou même une voiture. Wow! Réfrigérateur, des pièces d'avion. Ne jette pas ce carton. Pourquoi pas? Ça pourrait faire un puzzle un jour. Pas question. Une carte à jouer ou peut-être un stylo. Alors mets-le dans la poubelle. Wow! Recyclage. Mettez-le dans le recyclage. Du papier, le métal, le plastique, le verre. Ne les jetons pas à la poubelle. Recyclage. C'est ça le recyclage, oui. En recyclant, grâce à vous, une vieille chose devient comme neuve. Décharge. Oh oui. N'acceptez pas la décharge. N'y touchez pas. Parce que tous vrais fans du recyclage ne feront pas de la terre leur poubelle. Recyclage, mettez-le dans le recyclage. Tout le papier, le métal, le plastique, le verre. Ne les jetons pas à la poubelle. Recyclage, c'est ça le recyclage, oui. En recyclant, grâce à vous, une vieille chose devient comme neuve. Une vieille chose devient. Le sol, ne laissez pas sur la table s'il n'y a personne. Non, jette-le dans la poubelle. Jette-le dans la poubelle. C'est notre planète, gardez-la propre. Vous savez ce que je veux dire. Ne salissez pas votre maison, ne salissez pas votre école. Aidez à nettoyer la cour, le parc, la piscine. Jette-le dans la poubelle. Jette-le dans la poubelle. C'est notre planète, gardez-la propre. Vous savez ce que je veux dire. Papier de bonbons, bâtonnets de glace. Un sac vide de pommes chips. Une boîte de jus, une tasse à café. Ramassez-les. Ne jetez pas dans la rivière, l'océan ou le lac. Un ruisseau, un étang, c'est une grosse erreur maintenant. Jette-le dans la poubelle. Jette-le dans la poubelle. C'est notre planète, gardez-la propre. Vous savez ce que je veux dire. Jetez-le dans la poubelle. Jetez-le dans la poubelle. C'est notre planète, gardez-la propre. Vous savez ce que je veux dire. C'est notre planète, gardez-la propre. Vous savez ce que je veux dire. Huggy, je peux jouer au ballon avec toi? Non, je vais bien. Eh bien, tu n'as pas l'air bien, je crois. Écoute, je veux juste jouer tout seul aujourd'hui. Ok, mais d'abord, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai des cookies dans mon sac. Je sais que tu en aimerais un ou deux. Je pourrais les garder que pour moi, mais je préfère les partager avec toi. J'ai des crayons de couleur dans ma boîte. Je sais que tu en aimerais quelques-uns. Je pourrais les garder que pour moi. Je préfère les partager avec toi. Partager, c'est prendre soin de l'autre. Partager, c'est aimer. Quand nous faisait un gros câlin.
sur la balançoire. Je sais que tu aimes aussi. Alors je dis, hey, chacun son tour. Car je préfère partager avec toi. Vraiment? J'ai un nouveau jeu d'ordinateur. Je sais que tu aimerais aussi. Bien sûr! Alors je dis, hey, chacun son tour. Car je préfère partager avec toi. Partager, c'est prendre soin de l'autre. Partager, c'est aimer. Quand nous partageons, c'est comme si on se faisait un gros câlin. J'ai des amis que tu dois rencontrer, des livres à lire ensemble. Tu as des gestes qui peuvent être évités. Les partager les rend meilleurs. Que je serai de retour pour dîner. Maman, est-ce que c'est bon? J'aimerais dire oui, mais ta chambre est dérangée. Maman, allez! Non, la prochaine fois, nettoie avant de demander. Ok, maman, ok. Maman, est-ce qu'on peut aller au terrain de jeu? C'est une journée ensoleillée. Sur les balançoires, dans le bac à sable. Maman, est-ce que c'est bon? Tu ne peux pas y aller, pas tout seul. Oh, maman, allez! Non, je vais t'emmener au terrain de jeu et m'assurer que tu es en sécurité. Oui, merci, maman! Avoir de la glace, je peux acheter un jeu. Maman, est-ce que je peux avoir un chiot? Est-ce que je peux rester debout tard? Maman, pouvons-nous aller à la fête de Jackie à 6 heures ce soir? Nous avons nettoyé nos chambres et fait nos devoirs. Maman, est-ce que c'est bon? Oui! Oui, merci, maman! Hey tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien! J'étais censée aller à un pique-nique aujourd'hui. Mes amis et moi devions jouer au football dans la cour d'école. Nous voulions aller à la cour de récréation. J'ai une idée. Jouons à la chasse au trésor. Qu'est-ce que c'est? D'abord tu fais une liste de choses dans la maison et tu dois toutes les trouver. Puis tu les mets dans le sac et tu les ramènes juste avant que l'heure sonne. Peux-tu le faire? Ouais. Ok, voici la liste, allez-y. Rêve porté. Chasse au trésor, chasse au trésor. Faut se dépêcher, faut courir, courir. Chasse au trésor, chasse au trésor. Tu vas tellement t'amuser. Où est-ce qu'on va trouver un crayon, un stylo et un élastique?
Je pense qu'ils sont dans ce tiroir où je les ai vus. Vérifie le bureau près de la plante. Tu les as trouvés? Ouais. Ok. Marquez la liste et allez. Rêve porté. Chasse au trésor, chasse au trésor. Faut se dépêcher, faut courir, courir. Chasse au trésor, chasse au trésor. C'est plutôt amusant. Peut-on trouver un mouchoir en papier dans la salle de bain? Regarde, j'ai trouvé la brosse et le peigne. Où nous pouvons trouver un torchon dans la cuisine? On s'amuse tellement dans la maison. Vous êtes incroyable. Merci. Intelligent. Alors faisons une soirée pizza. Yeah. Chasse au trésor, chasse au trésor. Faut se dépêcher, faut courir, courir. Chasse au trésor, chasse au trésor. C'est plutôt amusant. Chasse au trésor, chasse au trésor. Faut se dépêcher, faut courir, courir. Chasse au trésor, c'est plutôt amusant. On peut recommencer? Pourquoi pas? Yeah!
Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? On essaie de décider quelle forme on va prendre aujourd'hui. Waouh, est-ce que nous pourrons faire ça aussi? Bien sûr, essayez donc. Quelle forme as-tu aujourd'hui? Je me sens comme un cercle. Je suis une grande roue, une horloge à tic-tac. La lettre O, je suis un point de polka, hourra. Je suis un cercle, je suis en pleine forme aujourd'hui. Quelle forme as-tu aujourd'hui? Je me sens comme un triangle. J'ai trois côtés, je suis une tente de camping. Un cornet de glace, je suis un instrument, hourra. Je suis un triangle, je suis en pleine forme aujourd'hui. Quelles que soient les formes que nous avons, diamant, ovale ou étoile, nous faisons un monde si merveilleux. Voyez comme nous sommes si beaux. Quelle forme as-tu aujourd'hui? Je me sens comme un rectangle. J'ai quatre côtés, je suis un magazine, un terrain de marais, un écran de télé. Hourra, je suis un rectangle, je suis en pleine forme aujourd'hui. Un pentagone, un hexagone, un octogone ou un cœur. Quelque chose que tu choisisses, tu es une œuvre d'art. Quelle forme as-tu aujourd'hui? Je me sens comme un carré, j'ai quatre côtés. Je suis un damier, un carreau de fenêtre, des carreaux sur le sol, hourra. Je suis un carré, je suis en pleine forme aujourd'hui, oui. On est en pleine forme aujourd'hui, en pleine forme tous les jours.